Voilà une petite fille qui ressemble à sa mère. Ce vendredi 4 août, Laura Tenucci a célébré comme il se doit l'anniversaire de sa fille, âgée de 6 ans, née de son union avec Christian Estrosi. Sur Instagram, la chroniqueuse de Télématin a partagé une photo de Bianca, à cheval et un casque sur la tête. Si le cliché ne montre que le bas du visage de Bianca, c'est suffisant pour entrevoir une ressemblance certaine entre la mère et la fille. Elles ont le même sourire. Bianca grandira-t-elle pour devenir le sosie de sa maman, à l'image de Lily Rose Depp et de Vanessa Paradis? Il faudra encore patienter quelques années pour le savoir. Évidemment, Laura Tenucci n'a pas oublié d'accompagner la photo d'un petit mot, en ce jour si spécial, 6 ans aujourd'hui. Vive les lions et les lionnes, a-t-elle écrit en légende de sa photo. Laura Tenucci serait-elle une mordue d'astrologie? Rien n'est moins sûr, mais ce que nous savons en tout cas, c'est que cette célébration n'est pas anodine. Le 2 août dernier, l'épouse de Christian Estrosi s'était déjà emparée de son compte Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à son fils, Milan, né de son union avec Michael Tapiro. L'adolescent a donc fêté ses 14 ans, 3 jours avant les 6 ans de sa petite sœur. Quelle surprise, c'est donc un lion. Laura Tenucci et sa fille Bianca, M. Pokora et d'autres au Grand Prix de France protéger ses enfants de la vie médiatique. Maman protectrice, la femme du maire de Nice tient à élever ses enfants loin de la vie médiatique. Elle ne poste que très rarement des photos aux deux, et ne montre jamais l'intégralité de leur visage. En témoigne le cliché de son fils publié pour son anniversaire. Il apparaît tête baissée, ses cheveux bouclés retombant sur le devant de son visage. Seuls ses yeux ne sont pas couverts. Tout comme pour sa fille, Laura Tenucci a profité de cet événement pour faire une jolie déclaration à son fils. 14 ans déjà. Happy birthday ma merveille. Je t'aime. Une maman poule, comme nous les aimons. Fidèle à son poste, Laura Tenucci est à retrouver tous les matins, du lundi au vendredi, sur Télématin. Depuis 2000, elle y tient une chronique consacrée aux actualités web et aux startups. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Coadic Guirec, Cyril Bruno.